Hey yo tout le monde, c'est Rookie de retour sur World at War 2. Aujourd'hui, on va revisiter une de mes armes préférées de ce jeu, la STG 44, et on va essayer de débloquer le camouflage or. Pour cela, il faut avoir fait 6 défis, il m'en reste 2, dont celui-ci où il faut faire 50 éliminations avec une autre division que l'infanterie. Donc là, il m'en reste 38, donc ça va être assez simple. Puis celui-ci, où il faut que je fasse 10 tirs longue distance, et il m'en reste 8. On est parti sur London Docks pour commencer du coup ce défi du camo or de la STG 44. Oh, j'ai que 30 cartouches, je crois. Hein. Ouais, j'en ai pas 45, il faut que je fasse gaffe. Alors j'avoue que les tirs longue distance, je sais pas quelle distance c'est. Je sais pas si sur cette map c'est vraiment le bon bail, je pense pas. Faudrait que je mette un viseur. Faudrait que surtout que j'équipe infanterie pour pouvoir rajouter un quatrième accessoire et mettre un viseur. Et que je mette plutôt des équipements pour le contrôle du recul, quoi. Il faut que je mette un chargeur plus grand aussi parce que 30 cartouches ça part vite. Hein. Waouh! Je suis mort. Je sais pas comment je suis pas mort, mais tant mieux. Tire longue distance, donc ça c'est bon, mais j'ai pas vu la distance. Merde. Heureusement qu'il y a un délai. Ok, je suis en train de me régaler. Hein? Oh, il a mis une mine. Oh l'enfoiré. Waouh, 35 kills. Alors, on va voir où on en est en termes de camo. Il m'en manque 5 pour les éliminations. Et longue distance, toujours 7. Donc, on va essayer de se faire une petite classe plutôt longue portée. Je pense qu'il me faut forcément une arme de grande capacité. Et c'est parti. Alors, on est sur Chipmunt, donc ça va être impossible à faire, je pense, pour les tirs longue distance. Mais on va au moins faire les 5 kills qui nous manquent, quoi. Oh, la triple, là. Ok, c'est good, c'est validé. J'aime pas faire ça, mais je vais devoir y aller. Ok, c'est parti pour les tirs à longue distance. Oui, un. Oh oui. Oh
Oui, je l'ai eu à la dernière seconde. Je l'ai eu à la dernière seconde. Let's go. Du coup, voyons voir un peu ces défis. Et oui, c'est bon, c'est validé. J'ai bel et bien le camo or. Il est magnifique. Je vais essayer de le mettre sur la STG 44, mais vraiment de base, quoi. Pour voir un peu ce que ça vaut. Il est magnifique, mais franchement, j'avoue que je préfère sur la variante Baron Rouge. Après, il y a celle-là aussi. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Ah, elle est toute dorée. Et de toute beauté. Dans ma vie, il suffit de maintenir la touche triangle appuyée sur PlayStation 4 et voici cette magnifique STG 44. Let's go. Ok, on est parti sur 40 ans et franchement, elle est magnifique cette variante. Je l'ai vu, lui, là, se planquer à chaque fois. Oui, monsieur. Oh, il y a du monde là. Hein. Il y a du beau monde. Oh, dommage. Oh, il était juste derrière moi, il voulait m'humilier. Je l'ai vu. C'est pour moi en plus, let's go! Let's go! En tout cas, j'espère que le principe, le concept de cette vidéo vous plaît, de débloquer des camouflages sur des anciens Call of Duty. Moi, celui-là, franchement, il me régale plutôt bien, le World at War 2. Et franchement, même de manière générale, revenir sur tous les anciens Call of Duty, c'est une certaine vibe que j'apprécie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez en revoir par la suite des vidéos comme ça, des concepts comme ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde!